大会。そのイベントの一つとして空手道、古武道、世界交流祭が開催されました。県内外の道場をはじめ、アメリカ、フランス、ブラジル、アルゼンチンなど世界各国の空手マンを一堂に集め、気迫にあふれたスピードと迫真の形の披露、独創的なパフォーマンスが2日間にわたって繰り広げられました。上地流極意の筋肉躍動を公開いたします。初公開とのことでございます。上地流空手道協会顧問上地寛永先生の妙談演武に移ります。妙談演武は遠山聖光が務めます。演目は三大流です。Nous allons maintenant découvrir un autre style, l'Uechi Ryu, resté très proche du karaté tel qu'on le pratiquait au 19e siècle. L'Uechi Ryu a été créé par Kanbun Uechi. En 1897, âgé de 20 ans, Kanbun se rendit en Chine, dans la province de Fujian. Il devint l'élève d'un maître chinois, Su Shihua, qui lui enseigna son art pendant 13 ans. En 1909, Kanbun Uechi revint à Okinawa. Mais c'est seulement en 1932 qu'il se décida à enseigner, alors qu'il vivait au Japon. Il revint s'installer à Okinawa en 1946 et mourut 2 ans plus tard. Maître Toyama fut l'élève de Kanbun Uechi. Celui-ci ramena en Chine 3 katas, Sanshin, Seisan et Sanseiryu. Maître Kanbun Uechi avait d'abord appris le karaté à Okinawa. Et l'objectif de son voyage